Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo qui va vous maximiser vos FPS car je viens de voir une vidéo anglophone que je vais créditer dans les détails de la chaîne d'un gars qui montre des options qu'il a activées sur le jeu et qui a fait gagner beaucoup d'FPS. Donc j'ai testé pour vous avant de faire la vidéo bien sûr. Et il s'avère que ça marche super bien, je suis super étonné, je l'ai fait essayer à un pote. Il a kiffé et il a beaucoup, ça a beaucoup fluctué son jeu au niveau de la performance, surtout pour ceux qui ont des petites configs. Bon, moi j'en ai une plutôt grosse hein, de configuration évidemment. Du coup, vous allez directement dans les graphiques, texture quality, vous laissez en high, donc au maximum. Pour ceux qui ont des cartes graphiques récentes, on va dire, qui ont moins de, qui ont maximum 5 ans d'ancienneté, sur ceux qui ont des 1070, voilà, grand minimum. Après, vous mettez plus bas, sur ceux qui sont en dessous 1070. Shadow quality vous mettez médium, c'est en fait un intermédiaire entre low et high, mais ça va être plus optimisé, c'est le plus. Ça va être un intermédiaire entre le qualitatif et la performance. Donc voilà, vous mettez médium. LOD 2. Et l'overall visibility vous mettez 400. Pourquoi? En fait, quand vous allez courir, vous n'allez pas voir les buissons qui sont en face de vous. Mais dès que vous allez viser, les buissons vont apparaître. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir voir les gens. Bon, pas forcément tout le temps, hein, parce qu'il y a quand même des textures qui apparaissent, mais plus facilement les gars qui se cachent dans les buissons. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, le anti-aliasing, vous mettez TAA. Donc en tout cas, c'est ce que le gars a mis dans sa vidéo anglophone, et c'est super intéressant. Tout le reste, vous le mettez en off. La Nvidia Reflex Low Latency, vous mettez en on. Le sharpness, ça reste personnel. C'est les petits contours qu'il y a autour. Moi, je mets toujours 1. Et c'est là que c'est intéressant. C'est tout en bas. Le High Quality Color, vous le mettez, vous le cochez. Et le MIP Streaming, vous le cochez. Donc, par contre, la petite subtilité, on va réussir à parler. Vous le cochez pour démarrer votre jeu ou après. Et au niveau du MIP Streaming Buffer Size, MIP Streaming Disk Usage Limit, si vous avez un disque dur SSD qui est récent, ça veut dire pareil, si votre SSD a maximum, je sais pas, 5 ans d'âge, vous mettez au maximum, vous mettez 64 et 1024. Si vous avez installé le jeu sur un HDD, ça veut dire un disque classique, ancien, vous mettez au minimum, tac, tac. Et si votre SSD est ancien, vous mettez pareil au minimum. Voilà, donc moi c'est récent, donc je mets au maximum, maximum. Et c'est tout. Après, les postes et fixes, je vous montre ceux que j'ai actuellement, mais je les change souvent. Donc ça, je ne vous les montre plus vraiment. Mais en tout cas, vous faites exactement comme ça. Essayez, en tout cas, vous sauvegardez. Et vous allez voir que vous allez avoir des FPS un peu plus stables. Donc, juste pour vous montrer, donc, on va faire un petit factory en offline avec des bots. Tac. Juste pour vous montrer rapidement. Hein, tac. En fait, c'est juste pour vous montrer la fluidité. Donc, bien sûr, je sais qu'en offline, il y a plus d'FPS parce que c'est pas du online. Mais je vais vous montrer un peu la fluidité qu'il y a sur les mouvements du personnage. Et vous allez voir qu'en online, en fait, c'est quasiment pareil. J'ai fait déjà 3-4 games depuis que j'ai fait cette configuration-là. Et il s'avère que je vois une sacrée différence d'FPS d'au moins 10, 15, voire 20. Là, il y a les SCAV qui spawnent. Donc là, ça lag, c'est normal. On va attendre qu'ils spawnent tous. J'en ai mis pas mal. Voilà. Regardez cette fluidité. Voilà. Donc là, il me rush dessus. Je vais mourir. Je vais crever très vite. Voilà. Donc, je trouve que la fluidité est vachement dingue. Ils sont nombreux. Il est mort, ah, John Wick, quoi. John Wick 5. Enfin, c'est le trailer de John Wick. Donc, vous avez vu un peu là, je suis à 181 FPS. Et en online, j'étais à peu près à 130, 140, alors qu'avant j'étais à 120. Alors ça dépend les maps, parce que si vous allez sur Lighthouse, bien sûr, c'est un carnage. Voilà. Donc là, ça spawn encore. J'ai fait à peu près le tour. Enfin, je voulais juste vous montrer un peu. Je suis sûr que si je regarde mes pieds, je peux descendre. Ouais, c'est un peu exagéré, mais c'est juste pour montrer un peu. Ah non, 163. Ok. Donc là, c'est assez dingue. Donc. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu cette petite config, petite vidéo rapide hein, pour montrer un max de FPS. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, surtout, le pouce bleu, abonnez-vous, tout ça.
Le pouce bleu, le commentaire, si vous avez des trucs à dire, des trucs à modifier, pareil, des trucs à... Et vous pensez pouvoir encore faire plus. Après, bien sûr, on peut aller encore plus bas au terme des graphismes, si vraiment c'est pas beau. Si vous avez... Non, pardon, si vous avez des configs qui sont vraiment basses, je peux faire une vidéo. Alors, on va vraiment jouer sur du 4 tiers, etc. Le truc, si vraiment vous avez une carte graphique qui a 15 ans d'âge, oui, vous pouvez jouer à Tarkov. Après, il faut un peu de RAM, un peu de processeur aussi qui va tenir la route. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, banzai!